Greetings, everyone. Bonjour à tout le monde. Okay, so we've come to the final study in this series. Donc nous sommes arrivés dans la dernière partie de cette étude, de cette série. And we have a lot to cover today. Nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui. So we will go straight into it. Donc nous irons directement dans le sujet. I'll finish off our consideration of the history. Je vais terminer notre considération de l'histoire that we've been going through. Que nous avons parcourue. And then in the next part we'll come to a consideration of this book. Et ensuite dans la dernière partie nous verrons en considération ce livre. The Turnaway Study. L'étude du détournement. In the time that we have left. Dans le temps qu'il nous reste. Okay, so we left off having looked at the progression of the anti-choice movement. Donc nous avons terminé en regardant la progression du mouvement anti-avortement. And we looked at some of the victories that they had gained. Et nous avons vu certaines des victoires qu'ils ont remportées. The victories that they had gained that bring us to the present. Les victoires qu'ils ont remportées, ce qui nous amène jusqu'au présent. And we came down to the Trump administration. Et nous sommes arrivés jusqu'à l'administration Trump. And for time's sake, we'll focus on one particular aspect of the Trump administration. À cause du temps, on va se concentrer sur un aspect en particulier de l'administration Trump. Which is his judicial appointments. C'est-à-dire l'histoire, en fait, le point de vue de l'histoire. Of course, we discussed at length how capturing the judiciary was central to the radical right strategy. Donc l'histoire du côté judiciaire. Donc on voit que la prise du côté judiciaire, eh bien, était une grande stratégie dans cette administration. And Trump was the one who put the seal on that. Et c'est Trump qui a posé son sceau dessus. So a little over a week after taking office. Donc à peu près une semaine après avoir pris office, pris place. Trump nominated Neil Gorsuch to fill the Supreme Court. Trump a choisi Neil Gorsuch pour prendre place, a été nommé. He was nominated to fill a seat that Obama should have filled. Il a été mis en place là où Obama aurait dû être placé. But that Mitch McConnell had held hostage for a year. Mais que Mitch McConnell avait tenu en otage depuis environ un an. During his campaign, Trump had promised to nominate someone in the mold of the late Antonin Scalia. Donc pendant sa candidature, Trump avait promis de mettre en place quelqu'un qui serait eh bien selon son idée. Antonin Scalia. Antonin Scalia. And Antonin Scalia was the far right justice. Et Antonin Scalia était le juge d'extrême droite. Who helped mold the Federalist Society from its beginning. Qui a tenu en fait la société fédéraliste depuis son début. And Gorsuch was the perfect fit. Et donc Gorsuch était la personne parfaite pour cette place. He came up through the Federalist Society's networks. Donc il est arrivé à travers le réseau de la société fédéraliste. And was listed as one of their experts before being nominated. Et a été nommé comme un de ses experts avant d'être nommé. And he is a proponent of the originalist method of interpreting the Constitution. Et donc il est un des pionniers, une des personnes importantes dans la manière de comprendre la Constitution de manière littérale, de manière importante. Which focused solely on interpreting the language of the Constitution. Qui se basait donc sur la compréhension uniquement du langage de la Constitution. As it was understood at the time it was written. Tel que cela a été compris à l'époque où ça a été écrit.
denying the relevance of any cultural change. En reniant tout champ, toute possibilité d'un changement culturel. Or real life consequences to hardline judicial decisions. Ou alors à des conséquences qui seraient dans le monde réel de décisions judiciaires tranchées. So Neil Gorsuch, according to our chart, he was nominated in 2017. Donc selon notre carte ici, notre tableau, Neil Gorsuch a été nommé en 2017. The next appointment I want to bring to our attention. Le point suivant que je veux apporter à notre attention. Is a court case that came about the following year after Gorsuch's nomination. C'est l'année. C'est une affaire qui s'est passée l'année suivante après que Gorsuch ait été nommé. This was this case of the NIFLA versus Becerra. Donc c'est l'affaire NIFLA versus Becerra. In June 2018. En juin 2018. All right, so just add some of these names to this list that we've been populating. On va ajouter ces noms sur la liste de noms qu'on a construite. Okay, so what was this case about? Donc, sur quoi portait cette affaire? One of the things that the anti-choice organizations did. L'une des choses que l'organisation anti-avortement a faite. To place obstacles in the way of women seeking abortions. Pour placer des obstacles auprès des femmes qui cherchaient à avoir des avortements. They would establish these fake health, women's health centers across the country. C'est qu'ils plaçaient ces faux centres de santé pour les femmes à travers le pays. Women's health centers that gave the impression that they provided abortion services. Ces centres de santé pour femmes qui faisaient croire en fait qu'ils donnaient des services d'avortement. Meanwhile, they did not provide abortion services. Alors qu'en fait, ils ne proposaient pas de service d'avortement. They would lure women in who were seeking the service. Donc, ils attiraient les femmes qui cherchaient leur service. And once they had brought them in, they would subject them to propaganda. Et une fois qu'ils les amenaient à l'intérieur, eh bien, ils les soumettaient à une propagande. To anti-abortion propaganda. Une propagande d'anti-avortement. To try to scare them out of their decision. Pour essayer eh bien, de les dissuader de leur décision. So anti-choice organizations had been operating such centers countrywide. Donc ces centres anti-avortement ont exercé en tant que centre eh bien, partout dans le pays. But in California, a law was passed. Mais en Californie, une loi a été passée which required these fake women's centers qui forçait, qui obligeait ces centres anti-choix pour femmes to post signs à afficher en fait des panneaux saying that abortion services were available in the state. Ils étaient obligés donc de dire que des services d'avortement étaient disponibles dans l'État. Even though they're not offered at that center. Même si ces services d'avortement n'étaient pas accordés dans ce centre-là. And these anti-choice organizations sued. Et donc ces centres de santé d'anti-avortement ont été devant le tribunal. And in a highly divisive 5-4 decision. Et donc dans une décision très décisive 5 à 4. The Supreme Court was split. La Cour suprême a été divisée. But the anti-choice organizations won. Mais l'organisation d'anti-avortement a gagné. This case affirmed the right of these centers to lie to women. Cette loi, en fait, a confirmé que ces centres de santé pouvaient mentir aux femmes.
to lie to them in the name of free speech. De leur mentir au nom de la liberté d'expression. So there was a Justice Anthony Kennedy. Donc il y a un juge, Anthony Kennedy. He was considered the one in the middle. He was considered the swing vote. Il a été considéré comme celui qui était au milieu, comme le vote décisif. And he sided with the conservative wing to give them the victory in this case. Et il s'est rangé en fait du côté des conservateurs pour leur donner cette victoire dans ce cas-là. And Justice Kennedy would resign 2 days after this case. Et le juge Kennedy eh bien a démissionné 2 jours plus tard après l'affaire. And this paved the way for Trump to replace him with Brett Kavanaugh. Et donc cela a ouvert la voie à Trump pour le remplacer par Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh. Donc Brett Kavanaugh. Who was nominated in July of 2018. Qui a été donc nommé en juillet 2018. Now, Brett Kavanaugh, he met the litmus test of opposition to Roe versus Wade. Donc Brett Kavanaugh a vraiment été placé devant l'épreuve décisive face à l'hostilité de Roe versus Wade du cas. As a former White House lawyer under George Bush. Donc il était un ancien avocat de la Maison Blanche sous George Bush. George W. Bush. George W. Bush. He openly challenged the idea that Roe was the settled law of the land. Il a ouvertement contesté que la notion de Roe était une loi établie du pays. And there is only one actual case that he ruled in. Donc il n'y a qu'un seul cas en fait dans lequel il a dirigé en tant qu'avocat. Which was viewed as an indication of how he would treat the abortion issue. Qui a été vu comme étant la manière dont il allait traiter la question de l'avortement. In October 2017. En octobre 2017. A teenage woman had crossed into the United States the previous month. Une adolescente donc avait traversé le territoire américain le mois précédent. And she found out she was pregnant. Et elle a découvert qu'elle était enceinte. She knew immediately that she wanted an abortion. Donc immédiatement, elle a su qu'elle voulait avorter. And Kavanaugh was part of a 3-judge panel. Et donc Kavanaugh fait partie d'un panel de 3 juges. That ruled to delay her abortion. Qui a décidé donc de retarder son avortement. And his argument was. You know, the other judges were trying to create a new law. Et donc, son argument, c'est que les autres juges essayaient de créer une nouvelle loi. Or a new right. Ou un nouveau droit. For illegal immigrant women to obtain abortion in the United States. Pour des femmes immigrées illégales aux États-Unis, afin d'obtenir l'avortement, en fait. And in his statements, he used language. Dans sa déclaration, là, il a utilisé un langage. That came out of John C. Wilkes' handbook. Qui est tiré en fait du livre de John C. Wilkes. And you remember, John C. Wilkes was the father of anti-choice disinformation. Et souvenez-vous, John C. Wilkes était le père en fait de la désinformation sur le mouvement anti-avortement. The decision was eventually reversed by an appeals court. La décision finalement a été annulée par la cour d'appel. And the woman received her abortion. Et la femme donc a pu se faire avorter. But again, this was the only abortion-related case he was involved in before his nomination. Mais à nouveau, eh bien, c'était la seule affaire liée à l'avortement auquel il a pris part avant sa nomination. And it caused concern for people worried about civil rights. Et donc cela a causé des préoccupations pour les personnes qui défendaient les droits civils. But it increased his support with the radical right and the Republican Party.
Mais ça a augmenté sa cote auprès de la droite radicale et de l'établissement. A bit more about Kavanaugh. Un peu plus de, on va dire, parler un peu plus de Kavanaugh. The state of Louisiana. L'état de la Louisiane. Oh, and this is an opportunity to correct a misstatement I made in a previous presentation. Et ici, c'est l'opportunité pour moi de corriger une erreur que j'ai dite dans la présentation précédente. I mentioned that Louisiana only has one abortion clinic. J'ai mentionné que la Louisiane n'a qu'une clinique d'avortement. It actually only has three. En fait, elle n'en a que trois. And a proposed law was going to reduce it to just one doctor in the entire state who could provide that service. Et une loi allait être mise en place pour n'avoir en fait qu'un docteur qui aurait pu mettre en place les avortements dans tout l'État. And that's what we're coming to now. Donc c'est là l'histoire où on arrive. So there's this concept called a trap legislation. Donc il y a ce concept qui s'appelle la loi trappe. Let me put it in our list. Je vais l'écrire donc sur notre liste. Trap legislation. And TRAP stands for. Donc TRAP, c'est un acronyme pour Targeted Regulation. Réglementation ciblée. Of abortion providers. Des services d'avortement. So these are laws that are passed to make it more difficult for abortion providers. Donc c'est une loi qui est conçue pour rendre beaucoup plus difficile pour les prestataires d'avortement. To make it more difficult for them to operate and force them to shut down. Donc pour de rendre plus difficile pour eux leur activité et éventuellement les forcer à fermer. And state governments with long-standing Republican Party control. Donc c'est des États, des gouvernements d'État avec un contrôle longuement républicain. Tend to be where you see a lot of such legislation being passed. De tels États tendent à être ceux où vous voyez de telles lois mises en place. So in 2019, the state of Louisiana. Donc en 2019, la Louisiane. Which has 4.6 million people. Donc, un état de 4,6 millions d'habitants. It only had three abortion clinics. Ne comptait que trois cliniques d'avortement. In February of that year, the Supreme Court voted to block a Louisiana law. En février donc de cette année, la Cour suprême a voté pour bloquer une loi de la Louisiane. A law that would have reduced the number of doctors. Une loi qui aurait réduit le nombre de médecins. Able to perform abortion to just one. Autorisé à pratiquer des avortements à uniquement un seul médecin. And Kavanaugh expressed support for the decision. Et Kavanaugh expressed support for the law. Kavanaugh a exprimé son soutien pour cette loi. Right, he made statements to the. You know, in support of that law. Il a fait des déclarations en accord avec cette loi. So his statements on this case. Donc ses déclarations sur ce cas. As well as his handling of the case of that migrant woman. Ainsi que la manière dont il a géré le cas de cette femme immigrée. Is viewed by many as a clear indication of his hostility to Roe versus Wade. Est perçu par beaucoup comme étant un signe clair de son hostilité envers Roe versus Wade. Then we come to Ruth Bader Ginsburg.
Ensuite, nous arrivons à Ruth Bader-Ginsburg. You remember she passed away in September of 2020. Souvenez-vous, elle est décédée en septembre 2020. And of course, she was a champion of equality throughout her career. Et bien sûr, elle était championne de l'égalité à travers sa carrière. But after she passed, mais après qu'elle soit morte, Trump nominated Amy Coney Barrett to replace her. Trump a mis en place Amy Coney Barrett pour la remplacer. So we're going to speak a bit about Amy Coney Barrett. Donc on va parler un petit peu de Amy Coney Barrett. She was nominated on the 26th of September. Elle a été nommée le 26 septembre 2020. Amy Coney Barrett herself is a former member of the Federalist Society. Donc elle est un ancien membre de la Société fédéraliste elle-même. And during her confirmation hearing, she said very little that could have been used against her. Et pendant son discours de confirmation, elle a dit très peu de choses qui auraient pu être utilisées contre elle. Because something that the Federalist Society actively does. Parce que quelque chose que la Société fédéraliste fait de manière très active. It coaches its potential appointees. Elle entraîne en fait ses c'est possible, c'est les personnes qui pourraient être votées. In how to get through the confirmation process as smoothly as possible. Elle les entraîne pour savoir comment traverser cette période de confirmation de la manière la plus calme possible. Without exposing perspectives that may prove to be a stumbling block to their confirmation. Sans parler en fait de choses qui pourraient être des pierres d'achoppement pour cette période de confirmation. And I remember listening to her confirmation. Je me souviens écouter son discours de confirmation. And she said nothing. Et elle n'a rien dit. You know, she was able to very carefully, you know, navigate through the questions that were being put to her. Elle a pu naviguer de manière très simple à travers les questions qui lui étaient posées. So, as with Kavanaugh, donc, tout comme avec Kavanaugh, the best way people have been able, you know, that the best guess people have as to her philosophy, as to how she thinks. La meilleure chose que les gens pouvaient deviner par rapport à ce qu'elle pensait. Is drawn from looking at her past history. Est tirée de ce qu'on peut voir de son histoire passée. When you look at Amy Coney Barrett's past history. Lorsque vous regardez au passé de Amy Coney Barrett. There was a lot of information in the media about her involvement in an ultra-conservative Christian group. Donc il y a eu beaucoup de discussions. Dans les médias sur son implication dans un groupe chrétien ultra-conservateur. A group characterized by a very strict patriarchal hierarchy. Un groupe dirigé par une hiérarchie patriarcale très stricte. And some of the women, you know, who've come out of that group have had to undergo therapy for years. Et certaines de ces femmes qui ont été dans ce groupe ont dû avoir passé par la thérapie pendant des années. To recover from the trauma that they endured in that community. Pour réussir à sortir du ce trauma qu'elles ont vécu pendant ces années. But beyond that, there was a clue in her actual confirmation hearing. Mais en fait, à part cela, il y a eu quand même un indice dans ce qu'elle a dit au moment de sa confirmation. Where she admitted that she did not see Roe versus Wade. Où elle a admis que Roe versus Wade as a case that formed a super precedent. N'était pas, ne le voyait pas comme étant
un précédent, une base bonne. And a super precedent is a precedent that the Supreme Court cannot overrule. Donc un précédent, ce cas précédent en fait qu'elle ne voyait pas dans Roe versus Wade, c'est un cas que la Cour suprême ne peut même pas dépasser. So we come to the present. Donc nous arrivons maintenant au présent. And six of the nine Supreme Court justices have ties to the Federalist Society. Et six des neuf juges de la Cour suprême ont des liens à la société fédéraliste. And you remember, conservative positions as well as opposition to Roe versus Wade. Et souvenez-vous donc les positions. Sorry, could you repeat? Conservative positions. Les positions conservatrices. As well as opposition to Roe versus Wade. Tout autant que l'opposition de Roe versus Wade. Was and is a litmus test. Était et est un test important, décisif. So the current circumstance has created a context. Donc les circonstances actuelles ont créé un contexte. Where the Federalist Society is now one of the most influential legal organizations in history. Où la Société fédéraliste est maintenant une des organisations légales les plus importantes de l'histoire. Not only shaping law students' thinking. Non seulement elle place dans un moule en fait la pensée des juges qui sont des élèves juges, des étudiants. But changing American society itself. Mais elle change en fait la société américaine en elle-même. By shifting the Supreme Court to the right. En déplaçant la Cour suprême vers la droite. So if we come back to our chart, donc si nous revenons sur notre carte ici, in March of 2021, en mars 2021, identify Bill 6 in Arkansas. J'ai identifié le projet de loi 6 en Arkansas. All right, so in March of this year, Bill 6 passed in the Arkansas legislature. Donc en mars 2021, le projet de loi 6 est passé en Arkansas. I think it goes without saying that Arkansas has a long-standing conservative majority. Je pense qu'il est facile de dire et bien que l'Arkansas a une longue histoire de majorité conservatrice. In its legislature. Dans ses lois. Bill 6 is a trap bill. Donc la loi numéro 6, c'est une loi trappe. And what it proposed to do, what it does is it makes performing abortions a criminal offense. Et donc ce qu'elle propose, ce qu'elle fait en fait, elle rend l'avortement un délit pénal puni par la loi. That can be punished with 10 years in prison. Donc qui est passible de 10 ans de prison. Or a fine of $100,000. Ou d'une amende de $100,000. Or both 10 years in prison and a fine of $100,000. Ou alors les deux, 10 ans de prison et une amende de 100,000 euros d'amende, de 100,000 dollars, pardon. And it does not allow for exceptions. Donc il ne prévoit pas d'exception. In the cases of rape, incest or severe fetal abnormalities. Dans le cas donc de viol, d'inceste ou de graves anomalies du fœtus. And it's a really extreme piece of legislation. Donc c'est une loi très extrême. And the sponsor of the bill. Et donc le parrain de la loi. Has admitted that they made it so extreme on purpose. A admis qu'ils ont rendu cette loi extrême volontairement. So it would lead to a legal challenge. Pour qu'elle conduise ensuite à un challenge légal. That would reach the Supreme Court. Qui atteindra ensuite la Cour suprême. And of course, right now on the Supreme Court, the conservatives have a majority. Et bien sûr, maintenant dans la Cour suprême, les conservateurs ont la majorité. There's the majority of judges who oppose Roe versus Wade. La majorité des juges s'oppose à Roe versus Wade. So they want this case to reach the Supreme Court, where they're hoping the Roe versus Wade would be overturned. Donc ils veulent que ce cas, cette affaire, atteigne la Cour suprême.
là où Roe versus Wade sera annulé. Women's reproductive rights, Donc les droits des femmes sur la reproduction. as far as their ability to obtain abortions are concerned. Tant que le cas en fait ou de la possibilité qu'elles ont de savoir d'avoir l'avortement. Are really under threat in the United States. Ces droits sont vraiment menacés aux États-Unis. But I'll call us to remember Mais j'aimerais que nous puissions nous rappeler that Roe versus Wade does not really have to be overturned. que Roe versus Wade n'a pas vraiment besoin d'être annulé, en fait. Because you have all this legislation being passed at the state level. Parce que toutes ces lois ici sont passées au niveau de l'État. That is designed to hollow out the provisions of Roe versus Wade. Et elles sont conçues en fait pour vider de leur essence, de son essence, la loi Roe versus Wade. So you have Roe versus Wade, which grants the right to access abortion. Donc vous avez cette loi Roe versus Wade qui accorde la capacité pour les femmes d'avoir accès à l'avortement. But in the States, you have all these laws being passed, Mais dans les États, toutes ces lois sont passées, calculated to make it harder to access that right. qui sont calculées pour rendre de plus en plus difficile l'accès à ce droit. Right? It's part of the subtlety that characterizes this dispensation. C'est en fait une partie de la caractéristique qui passe ici, qui Okay, caractérise so cela. we've essentially come to the end of our consideration of the history. Donc nous sommes en fait arrivés à la fin de la considération de l'histoire. And I think one thing should be clear at this point. Et je pense qu'une chose devrait être claire à ce point-là, à ce moment. Which essentially is if you view the subject of abortion En fait, si vous regardez le sujet de l'avortement, through a binary moralistic right or wrong lens, à travers une vue en fait morale, you've likely received that framing of the issue. vous avez très certainement reçu ce cadre en fait sur le sujet. From the religious right, Vous l'avez eu de la droite religieuse, from religious and political conservatives. des conservateurs politiques et religieux. Right, so that's an important consideration. Donc ça, c'est une considération importante. When we go back and consider and look at this through the lens of the two streams. Lorsque nous revenons et voyons cela maintenant à travers la lunette, les yeux des deux courants d'information. So now we're going to change over to something else. Alors maintenant, on va passer à autre chose. We're going to look at the Turnaway study. Nous allons regarder donc l'étude du détournement. The Turnaway study was the first of its kind. Donc l'étude sur le détournement, c'était une première en fait, une toute première. To investigate how abortion affects women. La première à étudier comment est-ce que l'avortement affecte les femmes. And it compares women who get an abortion with women who want an abortion but are denied. Et elle compare donc les femmes qui obtiennent un avortement versus les femmes qui veulent un avortement mais qui n'y ont pas, qui n'ont pas d'accès, à qui l'accès leur a été refusé. Previous studies compared women who had abortions. Des études précédentes ont mis en parallèle des femmes qui ont eu des avortements With women who gave birth regardless of whether they wanted an abortion in the first place. versus des femmes qui ont accouché, peu importe si elles voulaient des avortements ou pas. And the problem with this comparison Mais le problème avec cette dernière comparaison ici, is
Women are more likely to choose to give birth. C'est que les femmes sont plus promptes à vouloir donner naissance. When times are good. Lorsque les temps sont bons. When they're in good relationships. Lorsqu'elles se trouvent dans de bonnes relations. When they're financially stable. Lorsqu'elles sont stables financièrement. And when they feel ready to support a child. Et lorsqu'elles se sentent prêtes à pouvoir soutenir un enfant. And women are more likely to choose to have an abortion. Et les femmes sont plus promptes à avoir un avortement. When times are not so good. Lorsque les temps ne sont pas aussi bons. When relationships are rocky. Lorsque les relations ne sont pas très bonnes. When their health status is poor. Lorsque leur état de santé est pauvre. When they don't have enough money to support themselves. Lorsqu'elles n'ont pas assez d'argent pour se suffire à elles-mêmes. So, comparing women who have abortions with those who give birth. Donc, comparer les femmes qui avortent versus les femmes qui accouchent. It says more about the woman's circumstances. Décrit plus les circonstances qui entourent la femme. And whether the pregnancy was wanted. Et si oui ou non la grossesse a été voulue. Than it does about the actual experience of abortion and what follows from it. Mais cela ne parle pas vraiment de l'expérience de l'avortement et ce qui en suit. Right, so I hope that makes sense. Alors j'espère que ça a du sens. A bit of context for the study. Donc un peu de contexte pour cette étude. En 1987, Ronald Reagan addressed leaders of the anti-choice movement. Ronald Reagan a parlé aux dirigeants du mouvement anti-avortement. And he promised to overturn Roe versus Wade. Et il a promis de renverser, d'annuler Roe versus Wade. As part of his strategy for overturning Roe versus Wade. Une de ses stratégies pour renverser Roe versus Wade. He sought to gather enough data to prove that abortion harms women. Et donc, il voulait en fait rassembler assez d'informations pour prouver que l'avortement nuisait aux femmes. However, his surgeon general. Cependant, sa recherche en général. Right, the surgeon general of his administration. Donc, le chirurgien général de son administration, plutôt. Who was also anti-choice. Qui était également anti-avortement. He wrote to Reagan. A écrit à Reagan. Saying, "I'm sorry to inform you." Il lui a dit, désolé de te le dire. But in spite of a diligent review by many in the public health service. Mais malgré une révision très attentive par beaucoup de personnes dans le milieu médical. And by many in the private sector. Et beaucoup dans le secteur privé. The scientific studies do not provide conclusive data. Les preuves scientifiques, le sujet scientifique n'accorde pas une preuve sans équivoque. About the health effects of abortion on women. Sur les effets de santé que qu'a l'avortement sur les femmes. And he called for more research to be done. Et il a déclaré que plus d'études devraient être faites. What he called for specifically was a 5-year study. Alors en vrai, il parlait d'une étude de 5 ans. Analyzing all the many outcomes of sex and reproduction. Qui a analysé les différentes fins en fait qu'il y a par rapport au sexe et à la reproduction. But this call was unfulfilled for over 20 years. Mais cet appel pour cette étude en fait n'a pas été répondu pendant 20 ans. Until of course Dr. Diana Green Foster. Jusqu'à ce que bien sûr Dr. Diana Green Foster began the work of what would become the Turnaway study. A commencé en fait ce qui allait devenir l'étude du détournement. The women who agreed to participate in the Turnaway study. Alors les femmes qui ont accepté de participer à cette étude sur le détournement. They closely resemble the profile of the women who seek abortions nationally.
était vraiment très semblable au profil des femmes qui cherchent un avortement dans le pays. And the data in the study answers many assumptions. Et donc les informations dans l'étude répondent à beaucoup de pensées. Many assumptions, you know, people tend to have about this subject and the women involved. Beaucoup de pensées bien que les gens tendent à avoir sur de tels sujets, beaucoup d'hypothèses. And what I've done is that I've just drawn pieces of information from parts of the book. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé des parties d'informations de différentes parties du livre. Which answers some of these questions and assumptions. Qui répond à certaines de ces questions et de ces hypothèses. But I'll definitely say right away. Alors, bien sûr, je vais dire directement that in the time that we have, we cannot really do justice to the information in this study. Que à cause du temps que nous avons, on ne peut pas vraiment utiliser complètement toutes les informations utilisées dans ce livre. One would have to either read the book, soit il faut que vous lisiez le livre, or listen to Diana Green Foster's lecture series on YouTube. Ou alors écoutez, il faudrait que vous écoutiez les séries de présentation que Diana Foster a fait sur YouTube. She has a lecture series where she presents the data that's in the book. Elle a une série de présentations où elle parle des données, des informations qu'elle a écrites dans son livre. So, people who oppose abortion. Donc les gens qui s'opposent à l'avortement. Often accuse women seeking abortions. Souvent accusent les femmes qui cherchent un avortement of being misinformed, irresponsible or amoral. D'être irresponsable, immoral ou sans compréhension. However, the study found that, you know, women make very thoughtful decisions. Pourtant, l'étude montre que les femmes prenaient des décisions très réfléchies about whether to have an abortion. Sur la question si oui ou non elles allaient se faire avorter. And the fears and concerns that they express. Et les peurs et les préoccupations qu'elles ont pu exprimer tend to be confirmed by the outcomes that follow when they're denied. Tendent à être vérifiées par en fait l'aboutissement des événements qui se passent lorsqu'elles se voient refuser cet avortement. Okay, and the Turnaway study is also helpful. Donc cette étude sur le détournement est également très utile. Because it does something we won't have time to do. Parce qu'elle met en place quelque chose que nous n'aurons pas le temps de faire. Which is at the beginning and end of each chapter. C'est-à-dire à la fin, au début et à la fin de chaque chapitre. Right, each chapter is presenting data. Chaque chapitre donc présente des données. But at the beginning and end of each chapter, there's a story of an actual woman. Mais au début et à la fin de chaque chapitre, il y a une histoire en fait d'une femme, d'une vraie femme. A real life story. Une vraie histoire. Of a woman who was in the situation that is being covered in that chapter. D'une femme en fait qui se trouve dans la situation présentée dans ce chapitre. So I found that very helpful. Alors, j'ai trouvé que c'était très utile. Because it helped illuminate the type of situations that happen. Parce que cela aide à éclairer en fait le type de situation qui se passe. And where, if you really put yourself in that person's shoes. Donc, si vous vous mettez vraiment dans les chaussures de cette personne, you will see, you know, really how harmful. Vous verrez à quel point c'est nuisible. The sort of, you know, narrow. The narrow binary moralistic anti-choice position is. À quel point cette position en fait anti-choix et bien est serrée et nuisible en fait. Okay, so the first question that we will seek to answer. La première question que nous chercherons à répondre
is why do women have abortions? C'est pourquoi les femmes avortent-elles? So I have a chart to share. Alors j'ai un petit tableau à partager. Reasons women seek abortion. C'est donc la raison pour laquelle les femmes avortent. So, two-thirds of the women reported. Deux tiers des femmes qui ont été rapportées gave multiple reasons for wanting to end their pregnancies. Ont donné plusieurs raisons pour lesquelles elles voulaient mettre fin à leur grossesse. Most women reported financial reasons. La plupart des femmes ont décrit une des raisons financières. Stating that they already didn't have enough money. Déclarant qu'elles-mêmes déjà n'avaient pas assez d'argent. To pay for basic living expenses like food, housing and transportation. Pour payer en fait les dépenses communes, la maison, la nourriture et le transport. So, you know, you think practically. Donc pensez de manière pratique. If someone is struggling to support themselves. Si quelqu'un lutte pour se soutenir lui-même. And they are forced to bring that child into the world. Qu'elle est forcée à mettre au monde cet enfant. What would be the outcome for that woman as well as that child's life? Quel en sera le résultat pour la vie de cette femme et de l'enfant? Some women reported that it was the wrong time. Certaines femmes ont déclaré que ce n'était pas le bon moment. Like one story that's covered of a woman by the name of Jessica. Par exemple, il y a une histoire dans ce livre décrite, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Jessica. She fell pregnant 5 months after having a child. Elle est tombée enceinte 5 mois après avoir eu un enfant. And she was also experiencing deteriorating health. Et également, elle expérimentait une santé qui était en détérioration. And her relationship with her husband was deteriorating as well. Et sa relation avec son mari se détériorait également. She just couldn't manage another child. Elle ne pouvait tout simplement pas gérer un autre enfant. And she decided to have an abortion. Et elle a décidé donc d'avoir un avortement. Right. So these are the sort of real life situations. Donc en fait là, ce sont les situations de vie réelles. That people find themselves in. Dans lesquelles les personnes se trouvent. With almost impossible circumstances and no support. Avec des situations presque impossibles et aucun soutien. And you know, you can see how if you're coming at such a person. Donc vous pouvez voir que si vous arrivez vers une telle personne. With judgment regarding the, you know, with moralistic judgment. Et que vous arrivez avec un jugement moral. How, you know, you would not be helping that situation. You'd be doing en fait, vous n'aideriez pas du tout la situation. Bad relationships with men. Alors, mauvaise relation avec les hommes. They represent another common reason women seek to end a pregnancy. Cela représente une raison encore commune pour laquelle les femmes cherchent à terminer leur grossesse. Many were in relationships that they did not feel were stable enough to support a child. Elles se trouvaient dans une situation où elles savaient que ce ne serait pas assez stable pour éduquer un enfant. Or to support another child. Ou alors pour soutenir, fournir assez de choses pour un autre enfant. Right. And contrary to how people tend to think. Alors à l'opposé de ce que les gens pensent généralement. Having a child did not help those women in unstable relationships. Avoir un enfant n'a pas aidé ces femmes qui se trouvaient dans des relations non saines. Having a child did not help to preserve the relationship. Avoir un enfant n'a pas aidé à préserver la relation. Within 2 years, more than half of the women in the study. En 2 ans, la moitié des femmes de l'étude ici.
had broken up with the man involved in the pregnancy. Avait cassé avec l'homme qui se trouvait impliqué dans la grossesse. You know, this is important because it disproves that assumption. Ça, c'est important parce que ça, eh bien, ça détruit cette hypothèse. About, you know, having the child helping to preserve the relationship. Cette supposition comme quoi l'enfant va aider dans la relation. In a situation where the relationship is unhealthy when the child is conceived. Dans une situation où bien la relation n'est pas bonne au moment où l'enfant est conçu. Right. It's also important. Il est également important. Because people who believe abortion is wrong. Parce que les personnes qui croient que l'avortement est mauvais. Also tend to have be uncomfortable with children being raised in broken homes. Sont également ne sont pas vraiment d'accord avec le fait que les enfants puissent être éduqués dans des familles brisées. Or single parent households. Ou alors dans une maison où il y a seulement un parent. Right, so you really create an impossible situation for someone. Donc en fait là vous créez une situation complètement impossible pour la personne. If you're approaching this through a really conservative lens. Si vous abordez ce sujet avec vraiment une vision conservatrice. It's like there's condemnation and judgment at every corner. En fait, il y a une condamnation et un jugement à tout niveau. And it's also important to note that, you know, when we view such situations. Il est également important de comprendre que lorsque nous visualisons de telles situations, of a woman who seeks an abortion with the reason that the relationship was not stable enough, d'une femme donc qui cherche un avortement parce que la situation n'était pas assez stable, I'll say from my experience, alors je vais dire de mon expérience, that the men involved in these situations tend to escape judgment. Les hommes qui se trouvent dans ces situations tendent, eux, à échapper à ce jugement. OK. So, 60% of the women, 60% of the women in the study, donc 60% des femmes dans cette étude, were already mothers. Étaient déjà des mères. You know, and I don't know if you had any assumptions about that. Je ne sais pas si vous aviez des suppositions par rapport à cela. Right, but, you know, the majority of women seeking abortions are already mothers. Mais la plupart des femmes qui cherchent à avorter sont déjà mères. At least, you know, of course, this is within the context of the United States. Alors, bien sûr, là, on est dans le contexte des États-Unis. And they reported wanting the abortion. Et elles ont déclaré vouloir l'avortement. To be able to better take care of the children they already had. Pour pouvoir mieux prendre soin des enfants qu'elles ont déjà. So, one story covered in the book. Donc, une histoire décrite dans ce livre. Was maybe the first one actually. C'est peut-être en fait la première. Was of a woman who had a daughter with her husband. C'est donc l'histoire d'une femme qui avait une fille avec son mari. And they only just managed to provide well for her daughter. Et en fait, ils réussissaient à uniquement pouvoir soutenir et bien leur fille dans ce mariage. They were able to give her a good life and expose her to many opportunities. Ils pouvaient donc lui permettre d'avoir une bonne vie et de lui proposer de bonnes opportunités. But financially, it really strained them. It really, they were living on the edge, basically. Mais financièrement pour eux-mêmes, eh bien cela les drainait beaucoup. Ils vivaient vraiment au bord même. And having a second child would have driven them into poverty. Et avoir un deuxième enfant les aurait conduits dans la pauvreté. And severely drawn back the opportunities available, you know, that they would have been able to give their first daughter. Et donc cela aurait vraiment affecté les capacités, les possibilités qu'ils auraient pu offrir à leur fille, à leur première fille. So when she fell pregnant a second time, she decided to have an abortion. Donc lorsqu'elle est tombée enceinte pour la deuxième fois, elle a décidé donc d'avoir un avortement. Right. Another story. Une autre histoire.
One 30-year-old woman. Une femme de 30 ans. 31-year-old woman. Ou 31 ans. Reported that her 10-year-old son was diagnosed with cancer. A déclaré que son fils de 10 ans venait d'être diagnostiqué avec un cancer. And she needed to drive 10 hours for his treatments. Et elle devait donc conduire, elle était à 10 heures de l'endroit de son traitement. And when she fell pregnant again, et donc lorsqu'elle est tombée enceinte à nouveau, she aborted that pregnancy, elle a avorté cette grossesse in order to focus on her sick son. Afin de pouvoir se concentrer sur son fils malade. Right, so these are the many, you know, really complex stories. Donc là, ce sont plusieurs, en fait, des histoires complexes. You know, like, what do you want people to do? En fait, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Right, I think you start to see the cruelty of a really, you know, rigid, moralistic position on this subject. Je pense que vous pouvez commencer à voir la cruauté, en fait, d'une réponse très rigide et moraliste, en fait, du sujet. Many reported that having a baby would have derailed their life plans or their career goals. Alors beaucoup ont déclaré que d'avoir un bébé aurait complètement détourné leur but de vie. Women who received an abortion were more likely to stay employed. Les femmes donc qui ont avorté avaient beaucoup plus de chances de rester employées. And to live above the federal poverty line. Et de vivre au-dessus de la ligne sociale de pauvreté. Politicians and anti-choice activists. Les politiciens et les activistes anti-avortement have argued that abortion hurts women. Ont argumenté que l'avortement nuit aux femmes, leur fait mal. That it is harmful to mental health and will likely cause depression. Que cela en fait les attaquait et causait donc de la dépression. But for almost 20% of the women, mais pour presque 20% des femmes, a concern about their mental health, une préoccupation sur leur santé mentale, was actually what led them to seek the abortion in the first place. En fait, c'est ce qui les a conduits à chercher à avoir un avortement d'abord. Okay, so we're just working through this list. Donc en fait, là, on est en train de lire cette liste. Right. One in eight women in the study. Une femme sur huit dans cette étude. Chose to end a pregnancy due to concerns about their own health. A choisi d'avoir un avortement par rapport à des préoccupations sur sa propre santé. And 5% of the women. Et 5% des femmes. Chose abortion because of alcohol, tobacco or drug use. Ont choisi l'avortement à cause de l'utilisation d'alcool, de drogue. Use of these substances at the very beginning of their pregnancy. Elles ont utilisé donc ces substances au tout début de leur grossesse. Right. Some women partake of these things. Certaines femmes donc font ces choses. Before they realize they're pregnant. Avant de réaliser qu'elles sont enceintes. Especially when they weren't trying to conceive. Particulièrement lorsqu'elles n'essayaient pas en fait de concevoir. So they realize down the road that, you know, they've been carrying a baby. Donc elles réalisent plus tard qu'elles ont porté un enfant. Then there's a fear that that pregnancy may have been compromised by their alcohol or tobacco use. Il y a la crainte et bien que leur grossesse ait été compromise par leur utilisation d'alcool ou de tabac. Another assumption, you know, the idea that women are pressured into abortion. Une autre supposition, c'est que les femmes sont conduites, forcées, entre guillemets, à avoir un avortement. It looms large in the public imagination. C'est une pensée très, très présente dans la pensée des gens. And it has been used to justify a whole range of laws. Et elle a été utilisée pour justifier toute une lignée de lois.
such as mandatory waiting periods before receiving abortion, telles que des périodes obligatoires avant de recevoir un avortement, or mandatory counseling, ou alors des séances d'accompagnement obligatoire. The study found that only 5% of the women, l'étude a montré que seulement 5% des femmes, said family or friends played a part in their decision. On dit que la famille et des amis ont joué une part dans leur avortement. And only 1% actually reported pressure from family or friends as their reason. Et seulement 1% des femmes a déclaré que c'était une pression en fait des femmes, de la famille ou des amis pour avorter. So, you know, the question, why do women seek abortions? Donc la question en fait c'est pourquoi est-ce que les femmes avortent-elles? The answer is many reasons. La réponse c'est beaucoup de raisons en fait. Right, many reasons and sometimes multiple reasons. Il y a beaucoup de raisons et parfois c'est plusieurs raisons. And you know what's being considered is the best interest of the woman herself. Donc s'il y a ce qui est considéré comme étant pour le propre bénéfice de la femme. You know, in the context of many other factors. Dans le contexte également de beaucoup d'autres facteurs. So it really becomes inappropriate from a level of Christian compassion. Donc au niveau de compassion chrétienne, cela devient très inapproprié. To approach women, you know, confronted with this decision. D'aborder des femmes qui sont confrontées à cette décision. Really with anything other than empathy and encouragement. De les aborder avec autre chose que de l'empathie ou de l'encouragement. Right, people are just trying to make the best decisions that they can. Les gens essaient tout simplement de prendre les meilleures décisions qui soient. In the face of, you know, complex circumstances. Face à des situations complexes. Okay, so another question. Alors une autre question. Why are women becoming pregnant if they don't want to have a baby? Pourquoi les femmes sont-elles enceintes si elles ne veulent pas de bébé? And this is another question around which there are many judgments. Alors ça, c'est une autre question autour de laquelle il y a beaucoup de jugements. You know, around women supposedly neglecting to use contraception. Par rapport aux femmes, par exemple, qui négligent d'utiliser des contraceptions. You know, I don't know if in your lives, I know I've heard this type of reasoning. Alors, je ne sais pas si dans vos vies vous avez vu cela, mais moi, dans ma propre vie, j'étais face à ce raisonnement. We hear someone fall pregnant. Quelqu'un, donc une femme tombe enceinte. And people are like, why didn't they just use contraception? Et les gens vont dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé de contraception? You know, but if you really look at the big picture of it. Mais en fait, si vous regardez la grande image derrière cela. Consistently using contraception. Utiliser de manière constante une contraception. From the first time having sex to menopause. De la première fois que vous avez une relation sexuelle jusqu'à la ménopause. And only taking a break to conceive maybe one or two children. Et donc ne prendre qu'une pause lorsque vous concevez un ou deux enfants, par exemple. That's quite a feat. Ça, c'est quelque chose quand même. There's a second chart I'll show us here. Donc là, c'est le deuxième tableau que je vais vous montrer. I hope you can see that. J'espère que vous la voyez. Most unintended pregnancies in the United States. La plupart des grossesses non voulues aux États-Unis are caused by gaps in contraceptive use. Sont causées par des périodes où il n'y a pas de contraception. Right. I will read from a page in the book. Alors je vais lire d'une page dans le livre. If I can find it. Si je peux le trouver.
Okay, here we are. Donc, j'ai trouvé. So, as I already stated, donc, comme je l'ai déjà dit, consistently using contraception from the first time having sex to menopause. Utiliser une contraception de manière constante depuis la première relation sexuelle jusqu'à la ménopause. And taking time to gestate maybe one or two intended pregnancies. Et donc prendre des pauses uniquement au moment où on veut une ou deux grossesses. It's a major endeavor. Sorry. It's a major endeavor. It's a major effort. C'est un effort majeur. Contraception is expensive for one. Premièrement parce que la contraception est chère. And it requires a lot of diligence and forethought. Et qu'elle demande beaucoup de diligence et de pensée. And in many cases, tolerance of side effects. Et dans beaucoup de cas, eh bien, il faut tolérer les effets secondaires. And so, you know, the study it gives this estimate. Donc l'étude donne cette estimation. Where, you know, if you take a hypothetical woman. Donc si vous prenez une femme en hypothèse. She becomes sexually active at 18. Elle devient active sexuellement à 18 ans. And starts menopause around 45. Elle est ménopausée environ vers 45 ans. Have two kids between 18 and 45 when she's ready. Donc entre 18 et 45 lorsqu'elle est prête, elle a deux enfants. She would have to take 6,844 contraceptive pills. Il faudrait qu'elle prenne 6,484 pilules de contraception. Use condoms every time for perhaps 2,000 acts of intercourse. Devrait utiliser eh bien des préservatifs environ 2,000 fois chaque fois qu'elle a des rapports. Replace 975 patches if the patch is her method of contraception. Remplacer 900 patches de contraception si elle utilise ce moyen-là. Or replace 325 vaginal rings. Ou remplacer 895 et eh bien and all of this has to be done in a timely fashion. And all of this would have to be done in a timely fashion. Et tout ça devrait être fait de manière très réfléchie. So you see, over the course of a lifetime. Donc vous voyez que sur une vie, une période de vie. That just leaves a lot of room for things to go wrong. Ça laisse beaucoup de temps en fait pour que les choses se passent mal. And most unintended pregnancies in the US. Et la plupart des grossesses non désirées aux États-Unis. As I said, they're not caused by contraceptive failure. They're caused by by gaps in use of contraception. Ne sont pas causées parce que les contraceptifs, eh bien, n'ont pas fonctionné, mais c'est parce qu'il y a eu des trous entre les périodes où ces contraceptifs ont été utilisés. And the book makes the point. Et le livre décrit. That even for a woman who uses contraceptives consistently. Que même pour une femme qui utilise des contraceptifs de manière constante. There would still be a significant chance of becoming pregnant. Il y aurait malgré tout une grande chance qu'elle soit enceinte. Over reproductive lifetime. Sur une vie, la période de reproduction. She might become pregnant as many as two times on the pill. Elle pourrait être enceinte environ deux fois, même si elle est sur la pilule. Four times with condoms. Quatre fois avec les préservatifs. And seven using withdrawal. Et sept en utilisant eh bien, le fait d'ôter. Right, so, you know, when you view someone who falls pregnant in an unintended pregnancy. Lorsque vous voyez une femme qui devient enceinte dans une grossesse non voulue. And, you know, you want to have all these judgments about their, you know, whether they're being responsible or not. Vous voulez poser en fait tous ces jugements sur si oui ou non ils ont été responsables. You know, I think, you know, when you view the bigger picture. En fait, je pense que lorsque vous voyez la plus grande image derrière cela, you see that, you know, there's just
There's so much that could happen even when someone is trying. Vous pouvez voir qu'en fait tellement de choses pourraient se passer même si la personne essaie de son mieux. Right, that's why at the clinical and policy level. Donc c'est pour ça qu'au niveau clinique et politique. Or rather, before I come to that. Avant de venir à cela plutôt. Making all of this worse. Pour rendre tout cela pire. Is the fact that many women report having trouble accessing contraceptives. Beaucoup de femmes même en fait déclarent avoir du mal à avoir accès aux contraceptions, à la contraception. Right, 1 in 5 reported that they ran out of contraceptive supplies before becoming pregnant. Une femme sur 5 déclare ne plus avoir assez de contraceptifs avant d'arriver à la grossesse. That is why, you know, when it comes to policy, it's important to make contraceptive methods easy to access. C'est pour ça que quant à la politique, eh bien, il est important que les femmes puissent avoir accès aux contraceptifs. But again, many who feel abortion is wrong. Mais encore une fois, beaucoup de personnes qui trouvent que l'avortement est mauvais. Also tend to have a level of discomfort about various forms of contraception. Tend d'avoir également des préconçus, de mauvaises idées par rapport à aux contraceptifs. Okay, so we'll, in the time that we have left. Donc dans le temps qui nous reste. I'm just going to have to pick and choose the questions that we look at. Je vais devoir sélectionner les questions que nous allons considérer. We'll look at the question of women's health. Nous allons considérer donc la question de la santé de la femme. A common assumption is that abortion is dangerous. Une supposition que les gens pensent souvent, c'est que l'avortement est dangereux. That mortality following abortions is high and needs to be regulated closely. Que le taux de mortalité après un avortement est élevé et doit être régulé de manière très attentive. Okay, so to put this in perspective. Alors pour mettre cela dans une bonne perspective. Complications only occur in 2% of abortions in the United States. Les complications ne se passent que dans 2% des avortements aux États-Unis. And again, to put it in perspective. Et à nouveau, pour remettre cela dans une perspective, this is lower than the risk of wisdom tooth extraction. C'est beaucoup plus bas que le niveau en fait de décès pour un retrait. Which carries, you know, 7%, which has a measure of 7% of complications arising from that. Qui a un taux de complications de 7%. A tonsillectomy has 8 to 9% of complications arising from that process. Donc, cela a beaucoup plus de taux de complications en fait pour qui arrive en fait. And childbirth itself. And giving birth to a child. Et donc donner naissance en soi-même. Has, you know, 29% rate of complications arising from it. Contient eh bien 29% un taux de complications de 29%. So if you put it in perspective. Donc si vous mettez tout cela en perspective. You know, having an abortion is less dangerous than giving birth to a child. Avorter est beaucoup moins dangereux que donner naissance. And that's just the data. Et ça c'est juste les données. Right. When we speak of major complications. Lorsque nous parlons de complications majeures, that's complications needing surgery, donc c'est-à-dire les complications qui nécessitent des opérations, a blood transfusion, de transfusion sanguine, or hospitalization, ou d'hospitalisation, it's less than a quarter of a percent. C'est moins de 25% for abortion. Pour l'avortement. Right. And you know, you can. C'est moins d'un quart de pourcent. And for women with chronic health conditions. Et donc pour les femmes avec des maladies chroniques. All right, so
what the study that does that it then contrasts this with childbirth. Donc en fait, l'étude en fait, elle compare tout cela avec la naissance d'un enfant. And shows how, you know, giving birth to a child is an it's actually a more dangerous process. Et montre qu'en fait, donner naissance est beaucoup plus dangereux. C'est un processus beaucoup plus dangereux. Okay, let's look at women's lives briefly. Nous allons regarder donc aux vies des femmes rapidement. An analysis was conducted of how having an abortion affected women's ability to realize a one-year life plan. Donc, eh bien, une étude a montré que l'avortement, changeait, une grossesse changeait la vue qu'avait une femme sur un plan dans un an, par exemple. Sorry, I'm just taking a moment to quickly skim through the comment section. Alors désolé, je prends quelques secondes pour traverser, pour voir les commentaires. Okay, yeah, I'll just continue for time. Alors je vais continuer à cause du temps. All right, so this analysis of women's plans. Donc cette analyse des plans faits par les femmes. Looked at plans with goals that were measurable. Donc, on a regardé les plans qui pouvaient être mesurés. And it categorized the plans into three categories. Et donc, les plans ont été catégorisés en trois parties. The first was aspirational. Donc, le premier, c'était les plans d'aspiration. Which included goals such as having a better job. Donc, par exemple, avoir un meilleur travail. Or staying in school. Ou alors rester à l'école. The second category was neutral. La deuxième catégorie, c'était une ambition neutre. Which included, you know, plans that, you know, like the kids will be older. Par exemple, la pensée comme quoi les enfants seront plus âgés. And the third category was negative. Et la troisième catégorie, c'était négatif. Which included things like, you know, I will probably have less money. Qui incluait les pensées telles que je vais probablement avoir moins d'argent. So most of the women had lots of plans for their lives. Donc beaucoup des femmes avaient beaucoup de plans en fait pour leur vie. Most of them multiple plans. Et certaines avaient même plusieurs plans. And most of them, over 80% of them were aspirational. Et 80% des femmes avaient des plans d'aspiration. But women who were denied abortions were less likely. Mais les femmes à qui on a refusé un avortement to have an aspirational plan for the coming year. Conduites à avoir un plan d'aspiration pour l'année suivante. Right, you have 86 for those who received abortions and 56 for those who were denied. Donc 86% de celles qui avaient un avortement avaient ce plan et 56% de celles qui ne pouvaient pas avoir l'avortement. In other words, denying women abortions, it caused them to severely scale back their plans for their lives. Donc en gros, bien refuser l'avortement à ces femmes causait bien qu'elles reculent vraiment grandement leurs plans. While allowing women to have wanted abortions, tandis que ça permettait aux femmes qui voulaient un avortement, allowed them to set more aspirational plans for their futures. Cela leur permettait de placer encore plus de plans d'aspiration pour le futur. This communicates that the time in life when many women seek abortion. Cela communique le fait en fait que la période dans leur vie où les femmes cherchent un avortement. It's a really pivotal time when they're setting life goals and making important decisions. C'est une période dans leur vie où c'est vraiment une période clé où elles prennent des décisions et elles prennent des décisions importantes et elles ont des buts. And denying women in these positions, you know, access to abortion. Et donc empêcher aux femmes dans de telles situations d'avoir des avortements. It can really affect their life trajectory. Peut vraiment affecter la trajectoire de leur vie. Right, so you know the implications there when we think of you know equality.
Donc il y a des eh bien il y a des éléments là-dedans si on pense à l'égalité. And women having an equal playing field to plan and work for their futures. Et donc le droit des femmes de pouvoir eh bien penser et planifier leur futur. The final point I'll touch on is about children. Le dernier point que je vais aborder, c'est les enfants. An unwanted pregnancy carried to term. Donc une grossesse non désirée qui est amenée à sa fin. It affects the well-being of the existing children in the family. Affecte le bien-être des enfants qui sont déjà dans la famille. Remember, over 60% of the women seeking abortions. Souvenez-vous, plus de 60% des femmes qui cherchent un avortement already have children. Ont déjà des enfants. Right, but you know, carrying to term an unwanted pregnancy. Mais amener à terme une grossesse non désirée. It affects existing children. Cela affecte les enfants déjà présents. Because resources. Parce que les ressources. Such as money, time, and the parents' attention. Tels que l'argent, le temps et l'attention des parents. These are fixed resources. Sont des ressources fixes. And the more children there are. Et donc plus il y a d'enfants. The less any one of them will receive. Moins ils en recevront chacun. Right? When there's already not enough. Quand il n'y en a déjà pas assez. Because again, most of the women seeking abortions are in financially unstable situations. Parce qu'encore une fois, la plupart des femmes qui cherchent un avortement sont dans des situations financières difficiles. So when there's already not enough to go around. Donc lorsqu'il y a déjà, il n'en a déjà pas assez pour la famille. One more mouth to feed. Une bouche en plus à nourrir. One more body in need of holding and protection. And protection. Un corps en plus qui a besoin d'être tenu et protégé. One more mind to nurture. Un esprit de plus à élever. You know, may really be more than the parents can provide for. Peut-être en fait beaucoup plus que ce que les parents pourront offrir. They used a measure. Ils ont utilisé une mesure to track the development milestones of a child. Pour mesurer les différentes étapes du développement d'un enfant. And they looked at the development of the children whose mothers received a subsequent abortion. Donc ils ont regardé le développement des enfants qui plus tard pour lesquels les mères ont plus tard reçu un avortement. Versus the development outcomes of children whose mothers were denied a subsequent abortion, an abortion later, yeah. Versus le futur en fait le développement des enfants pour qui une mère par la suite eh bien n'a pas été accordée le droit d'avortement. And these development milestones looked at six areas. Et donc ces étapes de développement se posaient sur six domaines. Such as receptive language. Par exemple, eh bien le langage réceptif. Expressive language. Le langage expressif. Motor skills. La motricité. Self-help. L'auto-assistance. Social and emotional development. Le développement socio-émotionnel. And the children of the mothers who received an abortion for a later pregnancy. Donc les enfants de mères qui ont reçu un avortement plus tard pour une autre grossesse. Did better than the children of the mothers who were denied. Avaient de meilleurs résultats que les enfants de mères à qui cela a été refusé. Okay, so we've come to the end of the study. Nous sommes arrivés à la fin de l'étude. And I'll reiterate that, you know, we've not been able to do this book justice. We've just touched on a few of its findings.
Et je veux répéter que nous n'avons pas pu rendre justice en fait à ce livre et que nous avons seulement touché quelques éléments, de se survoler quelques éléments. But to summarize its findings, Mais pour résumer ce dont il parle, there was no evidence that abortion hurts women. Il n'y avait aucune preuve comme quoi l'avortement faisait du mal aux femmes. For every outcome analyzed, pour chaque élément analysé, women who received an abortion were either the same or more frequently better off than women who were denied an abortion. Les femmes qui ont eu recours à l'avortement se sont trouvées soit dans la même situation ou plus fréquemment dans une situation favorable que les femmes qui se sont vues refuser l'avortement. Their physical health was better. Leur santé physique était meilleure. Their mental health was initially better than the same. Leur santé mentale était initialement meilleure, puis identique. I'll make a point about mental health. Et d'ailleurs, je vais faire un point par rapport à la santé mentale. Because the majority of the women, over 90%, parce que la majorité des femmes, environ 90%, communicated that abortion was the right decision for them and they were relieved to have received it. Que la majorité des femmes, eh bien, ont pensé que c'était la bonne décision pour elles d'avorter et qu'elles en ont été soulagées. But of the smaller percentage, mais sur le plus petit pourcentage, who reported that abortion was a very difficult decision, qui ont déclaré que l'avortement était pour elles une décision très difficile, accompanied by, you know, a lot of, you know, a very difficult decision, and that it wasn't right for them after the fact, accompagnée d'une très difficile décision très difficile et d'une pensée comme quoi ce n'était pas bien à faire finalement. These women also reported, you know, their judgment from the communities that they come from as being a significant issue. Ces femmes ont également rapporté que le jugement qu'elles ont reçu de leur communauté ont été un point très très important. You know, so it's true that, you know, some women do experience a lot of emotional distress in connection with the decision to have an abortion. Donc il est vrai que certaines femmes ont beaucoup de détresse émotionnelle lorsqu'elles en viennent à avorter. But, you know, you have to think a lot of it is associated with societal stigma and how it is viewed in their communities and how they feel they will be viewed in their communities. Mais cela est lié à un stigma social et à la manière dont leur communauté va eh bien les regarder et la manière dont elles pensent que la communauté va les considérer. Women who received abortions had more aspirational plans. Les femmes qui ont reçu un avortement avaient beaucoup plus de projets ambitieux. And for the coming year. Pour l'année à venir. They had a greater chance of having a wanted pregnancy in a stable relationship down the road. Elles avaient plus de chances d'avoir une grossesse désirée et d'avoir une bonne relation plus tard. Carrying unwanted pregnancies to term hurts women in many ways. Donc porter des grossesses non désirées à terme fait du tort aux femmes à bien des égards. It was associated with significant health risks in some instances. C'est associé à des risques importants pour la santé dans certains cas. It's associated with economic hardships. Donc c'est associé à des difficultés économiques. Women denied abortions are more likely to live in poverty. Et les femmes auxquelles on a refusé l'avortement sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. And women's children do worse on several measures of health and development. Et donc les enfants des femmes ont de beaucoup beaucoup moins bons résultats dans beaucoup de domaines de développement. When they carry an unwanted pregnancy to term. Lorsqu'elles amènent porte à terme une grossesse non désirée. Okay, so as we close. Donc alors que nous terminons. I hope this series has given you food for thought. J'espère que cette série a pu vous donner de la nourriture pour votre esprit. You know, on so many things we need to. We really need to reconsider and reevaluate our thinking.
Vous savez, sur beaucoup de sujets, nous avons besoin de réévaluer, de repenser notre pensée. Particularly as we are being prepared to minister to both Levites and Nethinim. Particulièrement alors que nous sommes sur le point de rendre service aux Lévites et aux Nethiniens. Let's consider where our perspective comes from. Considérons d'où vient notre perspective. And let's consider how we will both view and treat the women that we come across in our lives who are confronted with this circumstance, with this decision. Et considérons comment nous allons traiter les femmes que nous rencontrons dans notre vie qui sont confrontées à cette décision ou qui l'ont fait. Right, and you know, even the women in this movement. Donc même les femmes dans ce mouvement qui ont pris ces décisions. Okay, so I'd like to thank you all for your time. Donc merci à tous pour votre temps. Let's close with a word of prayer. Terminons par une prière. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. We thank you for educating us. Nous te remercions de nous éduquer. We thank you for the wisdom that you are imparting. Nous te remercions pour la sagesse que tu nous donnes. Which, Lord, should translate to love for others. Qui, Seigneur, devrait pouvoir se traduire en amour pour les autres. Which should translate to treating them how you would treat them. Qui se traduirait par traiter les autres comme tu les aurais traités. And Lord, it's the day of preparation. Et Seigneur, alors que nous sommes dans ce jour de préparation, please help us to be ready for the Sabbath. S'il te plaît, aide-nous à être prêts pour le sabbat. And for all of us who are already in the Sabbath. Et pour tous ceux d'entre nous qui sommes déjà dans le sabbat. May you bless its sacred hours. Que tu puisses bénir ces heures sacrées. Please hear us in all these things. S'il te plaît, écoute-nous dans toutes ces choses. We ask in Jesus' name. Te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you for your time, everyone. Merci pour votre temps. C'était un temps béni. Take care.